Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crusader King 3 sur le royaume de Romagne, l'Italie à la française. Aujourd'hui, eh ben, les choses commencent parce que notre ancien roi il est mort enfermé dans on ne sait pas trop où, et notre roi Alberto continue ses affaires. Il vient tout juste d'être nommé et pour ça, il a fait une petite audience à la cour parce que pourquoi pas, et le festin, ça a l'air d'être très cher. Mais on va commencer par ça, ça semble une évidence. Ah, on peut faire un invité d'honneur. Un invité d'honneur, ça peut être intéressant. Ah, mais c'est lui qui a une revendication sur tout le duché de la Toscane. Je vais l'envoyer chier. On va dire celui-là. Ça peut être intéressant. Je peux pas augmenter ça. Ça va commencer à me coûter beaucoup trop cher. Et ça aussi. Ah, même si j'aurais voulu. J'aurais quand même voulu que ça me coûte. Ah, c'est pas grave. Allez, on va faire ça. Allez. De toute façon, il est pas ter notre bâtiment ici n'est pas terminé, donc on ne peut pas réellement en prendre compte. Bon, ça, l'épidémie est en train de partir. C'est bien parce qu'elle nous a pas attaqué. Bah, je vais nouer des amitiés avec bah, justement le duc de Spolette. Tiens. On va tenter. Le duc de Spolète, je sais pas s'il est fort. Non, il est que dalle, mais. Bah, c'est parce qu'en fait, le reste de son duché est en Italie. Et. Pas qu'en Italie. T'as des revendications en moi ou c'est juste. D'accord. Parce que là, je peux pas déclarer des guerres parce que voilà. Ouais, je sais pas te casser ce milieu. Et c'est un invité? What the fuck? Comment ça? Ah non, je suis dans une activité. Je croyais que c'était une invité. J'ai mal lu, hein? C'est fort! Alors. Dans 35 jours, ça commence. C'est super. C'est super, c'est super. Lui, même pas. De toute façon, il convertit le comté. Et quand il aura fini, ça va être super. Comme ça, la foi Mozart, ça sera terminé. Ça aussi, il va falloir que je commence un jour à me dire ah, peut-être la choper, la Sardaigne. Ça pourrait être intéressant. Ça, après, c'est l'Empire Byzantin. L'Empire Byzantin, c'est pas rien à taper. Bienvenue, les amis. Ah, c'est super ça. Bon, ouais, ça me permet d'avoir un peu plus d'amitié avec ce type. J'ai pas lu, putain. C'est fou, hein. Il y a des trucs mais je les lis pas. Ah bah voilà, c'est mon ami. Ami, voilà. Il va apprécier un peu plus, mais sans plus. Bah c'est bon. Du coup maintenant je me détends. Et l'homme, je lis pas. Je vous laisse mettre pause pour lire. Ouais tout ça. Non le stress, je m'en fous. Allez, hop. Un peu de prestige quand même. On gagne un peu de prestige. Oui, ça c'est marrant. Ah, très gros du Carnol. C'est bien. C'est bien, plein de prestige. Ah. Fais choisir enthousiaste. Bon, ça. Avec des traits supplémentaires. Le festin. Eh bah c'était pas si mal cette histoire. Eh bah dans l'autre histoire c'est qu'on va pouvoir faire diverger la culture, non? Oh une hybride. Oh une hybride. Donc franc. Italienne vulgaire. Doyle vulgaire, c'est rigolo. C'est quoi?
Donc ils parleront forcément italienne, culture patrie, on s'en fout. Solennel ou spirituel? Solennel. Ah, former des fois, c'est pas mal. Ouais, mais ça, on va plutôt prendre ça. On va mettre sur Toscan, j'en sais rien. Hop, il m'engraisse. Nom du groupe. Ouais, de la Toscane. Toscanienne. Tiens, c'est rigolo. Toscanienne. Non, ça marche pas comme ça. Hop. C'est écrit pas comme ça. Hop, tac, tac, tac. Et préfixe. Ouais, c'est pas si mal. On va mettre une couleur dégueulasse. Orange pétant. Oh, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant. Plus un, ouais. Chaque bâtiment implique une origine commune et bon. Soit parce qu'elles sont issues, soit parce qu'elles sont adoptées. Ouais. Ça, c'est pas mal. Vous allez découvrir deux innovations. Motte. Et terrain d'assemblement. Alors les traditions. Oula, beaucoup de traditions. Héritage républicain. Même si on a quelques républiques, c'est quand même dommage de garder ça. Hiérarchie héréditaire. Ouais, bah on verra bien. Ah, c'est quoi comme comme château local que j'ai? Ça pourrait être marrant de tout changer d'un coup. Méditerranéen, regardez ça. Les deux, ouais, c'est pas si mal. Jusqu'à 6 traditions. Parce que je peux tout enlever. Mais en même temps tout mettre. Chance de propagation des légendes. On va faire ça de toute façon. Il va falloir qu'on se crée une légende assez rapidement. Diabolisation. Bon, tu sais quoi, on va. Ça c'est pas fou ça. Parce que oui, t'as les hommes d'âme, les dégâts piqués, piqués archers, c'est bien. Et la cavalerie légère et tout ça. Ah mais après je suis dans les montagnes moi. Donc si les piqués et les archers c'est intéressant, mais la cavalerie et les escarmouches, ouais c'est vrai que c'est moins intéressant. En vrai c'est pas si mal adapté. Oh tu sais quoi, on verra plus tard. Allez. Ça c'est modifiable de toute façon. Ce qui est intéressant c'est de faire attention à ça et faire attention à ça. Ce qui est déjà pas si mal. Ouais, on va prendre les deux, les deux noms, c'est rigolo. Hop là. Et bah voilà. Vous êtes devenu chef de la culture machin. C'est pas si mal. Donc ça veut dire que je peux la réformer si je veux. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et donc j'ai gagné deux innovations. On rentre dans le Moyen-Âge. Mais avant de rentrer dans le Moyen-Âge, il faudrait terminer ces conneries. On va prendre Casus Belli. Oula, j'ai pas beaucoup de. Ouais. Bon, et eh ben c'est pas si mal pour une nouvelle culture. Ah, et en plus j'ai un success team. Create hybrid culture. C'est bien ça. J'ai créé une culture hybride. Pourquoi je peux déclarer la guerre à ce type? Comte de Parvis. Comte de Parvis. Ah, c'est ça quoi. La flemme! La flemme. Le duc machin a été excommunié par ce type. Oui, bah au bout d'un moment. C'est pas intéressant, mais fais-le quand même. Donc là, on a pas mal gagné là-dedans.
Il me faudrait une guerre. Une guerre. Bah, en fait, faire une guerre avec lui pour justement la revendication de ce comte. Déjà, ça va plaire au comte, et puis moi, ça me fait une guerre à gagner. Propagation de la culture sicilienne. La Sicilienne est en train de se développer ici, oui. Mais ouais, j'ai la Toscante là qui va faire un petit peu de la merde. On verra bien. Ça, c'est pas si mal. Ça veut dire que si j'avais, c'est la merde. T'as un allié qui est dégueulasse. De toute façon, il va falloir qu'on la fasse cette guerre. Donc, la capitale, elle est bah, justement ici. On va aller chercher ça. On va. C'est moi qui ai gagné des trucs. Non. En plus, il est dans des guerres là. Allez, c'est parti. Un allié ennemi, ouais, si tu veux, ce type. Ah, 1000 hommes quand même. C'est pas rien, 1000 hommes. Pourquoi il est en guerre contre ces. Il est en guerre contre ces types-là, pourquoi? Ah oui, pour la même chose que moi, un petit comté de con. Ouais. Ah, c'est marrant. En espérant qu'ils me fonceront pas dedans. Ah, si je dois débuter l'autorité royale, je le ferai. De toute façon, ça se remet vite. Le réchaud. J'avais dit que je regarderais pour mes légendes, en sachant que bah, j'ai personne pour le moment dedans. Lui, bon. Ouais, c'est les bâtards. J'ai pas envie de crever. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça suffit de mourir. J'en ai marre. Je vais pas passer mon temps à mourir. Ma femme a 39 ans, la vache. Quand est-ce qu'elle lui fait un enfant? C'est ça, il faudrait un. C'est une bâtarde. Enfant de concubine. Ah, c'est une enfant de concubine. Oh! Oh là là! Oh, ça, c'est fort! C'est très très fort! Je vais le garder pour moi. Ça, c'est très fort. On a fait des prisonniers notables. Mais notre guerre, elle va durer. Je sais même pas où ils sont, ces troupes ennemies. Bon, ça, je peux pas voir. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Je suis remarqué, ça va sur les combinaisons. Ah, c'est marrant. Allez! Pourquoi pas, après tout. S'il faudrait faire, c'est assez d'argent pour pouvoir construire une nouvelle propriété. Les obligations des employeurs. Ouais. Tu sais, moi, plus les gens payent d'impôts, plus je suis content. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Il forme des commandants. J'ai pas beaucoup de commandants, ou j'ai des commandants qui sont intéressants? Ouais, ils sont capables, quoi. On voit pas. Chaque côté de foi catholique de mon domaine niveau de contrôle moins 10. Ah, ils sont chiants. C'est pas grave. Non stationné. Non stationné? Je peux pas les stationner, ils sont vrais.
On verra pour. On verra pour les stationner juste après. Ça serait quand même intéressant de pouvoir les stationner. Alliance expirée, on s'en fout. Construire la propriété, c'était combien? Ah, c'est cher quand même. C'est très cher. C'est très cher, mais normalement, voilà. Avec ça, je vais pouvoir. Construction de propriété, voilà. Hop. Ça coûtera déjà moins cher. Bah, c'est pas bien, bien moins cher, mais ça reste moins cher. Une fois que j'aurai cet objectif de guerre, ça va aller tout seul. Ça va augmenter assez rapidement. Le truc, c'est que. Oh, ils sont chiants, putain. Variole sicilienne. Oh! On fait pas plus que le nécessaire, quand même. C'est une variole, on n'en meurt pas. Brrr. Ah, c'est parfait. Et ben voilà. Bon, le truc, c'est que du coup, je vais devoir faire des sièges à tout va pour pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne. Ouais, mais j'ai pas de. Faudrait que je construise une propriété aussi. En tout cas, on va pas commencer à diverger partout. Ah, mais ils sont en train de reprendre mes sièges. Ah, c'est chiant. Ah, que c'est chiant d'avoir une double guerre comme ça. Ah, Venise a pris Padoue. Venise a pris Padoue. Ça serait peut-être temps aussi de voir pour piquer ces types, en fait. S'emparer de Venise, ça serait pas mal. Ça ferait un type en moins à gérer. Mais moi, ce que je voudrais, c'est ça. C'est faire en sorte que mon duché de Spolette soit revenu à la normale. Puis après, on s'en prendra au pape au bout d'un moment. Mais pas tout de suite, parce que si on s'en prend au pape tout de suite, ça se fout de la merde. On va attendre que ce siège se termine. Je vais dégommer ces 500 hommes. À la charge! À la charge de ce type. Viens ici. Viens ici. Il se déplace vite hein, quand même. Ah non, non, c'est pas le temps. Hein. Je sais pas si je contrôle sur nappe ou quoi que ce soit, mais... Je n'ai pas le temps pour vos conneries. Voilà. Bordel de cul. C'est quoi ces conneries? D'accord. Ça fera une alliance avec le roi de Bretagne, c'est pas si mal. Ah oui, c'est pas si mal. Je veux bien les gens qui font les gens, c'est ça. Mais j'ai pas le temps, quand même, pour ces conneries. Ah, petite bataille. Ah, c'est quand même un type intéressant. Hein. Mon chevalier, il est moins intéressant. Après, c'est un vieux aussi. Hein. C'est un type qui est pas très jeune. C'est un type qui est pas très jeune. Donc ça, je peux... J'ai une alliance, c'est cool. Il a quel âge? 33 ans? 12 ans? Classique, dans le Moyen-Âge, classique. Et lui, il est encore en guerre contre ça, pourquoi? D'accord, d'accord. Là, il y a Venise qui est en train de s'étendre. Il va me taper. Mais pourquoi? Moi j'ai peut-être pas un meilleur cheval. Bah moi oui, mais c'est pas non plus mieux quoi. Ah par contre j'ai peut-être un général mieux. Toi t'es quoi toi? Expert en terrain difficile. Ah non, ouais, t'es pas si mal. Hein. T'es pas si mal. T'es pas si mal. Bon eux ils sont toujours en train de me... Oh bah là les paysans ils vont se faire foutre. Hein. En même temps, ça je pourrais accepter, mais alors lui, les paysans.
Mais il en est, mais alors hors de question. Ah, mais ça suffit de me frapper. Bien. Naples se remet de la pandémie. Ah si, j'ai un hôpital. Résistance à la pandémie plus 7. J'ai une bonne résistance à la pandémie dans ce comté de fou là. 12. Mon médecin, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui! Ah, truc de fou! D'accord. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas si mal. Ah, je vais perdre des points parce qu'on est plusieurs sur l'Italie, là. Je vais prendre ça. Comme ça, ici, ils pourront pas aller venir chercher. Enfin, si, ils pourront, mais c'est pas ce qu'on dirait le but, en fait. Allez. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et aller sur l'onglet communauté pour aller sur le Discord. Il se passe des choses. Là, on est pas si mal. Il va falloir qu'on finisse cette guerre. Après avoir fini cette guerre, il va falloir qu'on augmente ça. Pour ça, on va probablement faire une chasse pour tenter de faire d'autres trucs. Il va falloir qu'on découvre une légende. Est-ce qu'il y a des légendes lointaines, non? L'héritage unique, l'héritage de Charlemagne, c'est quoi ça? Légende de Féocé, ouais, l'héritage de d'Arthur Pendragon. La fille de Lord Brock, ouais, bon, il y a des trucs un peu partout, quoi. Faut que genre, je fasse ça, l'un d'ici, ça pourrait être marrant. Enfin, bon. Donc, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.